Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Pertiéville. C'est à nouveau un plaisir de vous retrouver pour cette émission de Pertiéville vous informe qui vise à faire un retour sur les décisions prises par vos élus municipaux lors de la dernière séance du conseil municipal qui s'est tenue le 4 juillet dernier. Mais avant tout, en termes d'activité, je reviens tout d'abord sur celles qui ont eu lieu en juin dernier, à savoir tout d'abord le Berti Hibrou, organisé par la Chambre de commerce, le concert Piano et voix, en collaboration avec le CABA, le premier concert des samedis en musique des jardins, offert par la ville de Berthierville au Belvédère, Jacques Lavallée, l'événementiel marquant la fin des études secondaires de nos étudiants, de Pierre de Lestage, le Cowboy Fest qui s'est tenu cette année pour une première fois à l'Arena et la vente de garage qui, malheureusement, en raison de la mauvaise température, n'a connu qu'une seule journée d'activité. Alors, ce sont tous des activités qui ont connu beaucoup de succès. À surveiller maintenant pour le mois de juillet et début août, tout d'abord au Parc Sainte-Geneviève, le 7 juillet. À compter de 18h30, spectacles et démonstrations de danse et de yoga. Le 8 juillet, dans la journée, passage du défi, cyclo-défi, pardon, Enbridge au Parc Sainte-Geneviève, où plus de 2000 cyclistes s'arrêteront, le temps d'une pause. Et en soirée, au Belvédère Jacques-Lavallée, le deuxième concert des samedis en musique des jardins, offert encore par la ville, et qui met en vedette dès 19h30 Gervais et à 20h30 Sébastien Plante. Si il y a pluie, le spectacle aura lieu à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Le lendemain, dimanche 9 juillet, début de l'exposition Charles de Gaulle à la chapelle des Culbert. Par la suite, le 14 juillet, dès 18h30, à nouveau spectacle et démonstration de danse et de zumba au Parc Sainte-Geneviève. Le 22 juillet, toujours au Parc Sainte-Geneviève, exposition de voitures et en soirée, le troisième concert des samedis en musique des jardins au Belvédère Jacques-Lavallée, pour assister à la prestation de René Proulx à 19h30 et de Joël Denis à 20h30, toujours remis évidemment à l'église Sainte-Geneviève en cas de pluie. Le lundi 24 juillet, une commémoration du passage du général de Gaulle en 1967 à Berthierville se tiendra au Parc Sainte-Geneviève. Un spectacle musical maintenant est aussi au programme qui aura lieu à l'église de la Parole vivante, organisée par le groupe d'entraide en toute amitié le 29 juillet. Et finalement, les 4 et 5 août, les productions festives MC ont annoncé deux soirées de spectacle au centre-ville, en commençant par le vendredi soir, le Charlie Band, en première partie, suivi par Hommage aux Beatles. Samedi, ce sera au tour de Jim Zeller en première partie et Martin Deschamps et Brine Leboeuf assureront le restant de la soirée. Les spectacles sont annoncés pour 18 heures, beau temps, mauvais temps, alors c'est un rendez-vous au centre-ville. Alors maintenant, pour en revenir à la séance, en termes tout d'abord de ressources humaines, le conseil a autorisé la direction générale à procéder au congédiement administratif de l'employé, matricule 400020, le tout selon le rapport verbal soumis par le directeur général, ainsi que d'abolir le poste de journalier opérateur laissé vacant par ce congédiement. Il a aussi été question, considérant le départ de la coordonnatrice à la bibliothèque municipale et au secteur volet culturel du service des loisirs, et de la nécessité de combler ce poste au niveau des loisirs, d'accepter l'offre du service du Carrefour du capital humain datée du 21 juin dernier, relativement à cette embauche, et en regard de ce processus de recrutement, de nommer Mme Sylvie Dubois, directrice générale adjointe, greffière adjointe et trésorière, Mme Marilyn Arsenault,
du Carrefour du capital humain, ainsi que M. Sylvain Destrampe, conseiller sur le comité de sélection. Par la suite, l'organigramme révisé, déposé par le directeur général et greffier, a été adopté par les élus. Le conseil municipal s'est aussi positionné auprès du gouvernement du Canada afin d'exclure de la gestion de l'offre toute renégociation de l'accord du libre-échange nord-américain, l'ALENA, afin de s'assurer de préserver intégralement la gestion de l'offre considérant les emplois directs et indirects générés par ce secteur. Ceci fait suite à la décision du président Trump de vouloir renégocier l'ALENA et des impacts négatifs sur notre économie. La signature maintenant d'un acte de quittance suite à des négociations dans le cadre de dommages causés par un véhicule aux luminaires face au 1260 rue du Dr Olivier M. Gendron a aussi fait l'objet d'une résolution. Il a aussi été résolu que la ville de Berthierville participe à l'achat regroupé pour 3 produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables par l'entremise de l'Union des municipalités du Québec. Ce faisant, nous nous engageons à respecter les termes du contrat en cause pour l'année 2018 et nous devrons assurer les frais de gestion de l'ordre de 1,6%. Considérant maintenant que l'escalier et le muret à la descente phase 1 de la Sabah sont fissurés et que des travaux de correction doivent être exécutés, que suite au devis de la firme EXP en conformité avec la résolution de juillet en ce sens, il a été autorisé un processus d'appel d'offres par voie d'invitation écrite auprès des entreprises apparaissant au document qui est annexé à la résolution. Toujours dans le même secteur, suite aux récentes inondations et la crue des eaux, une section du sentier et du mur de soutènement du parc Bellevue ont été endommagés et qu'en raison des travaux qui doivent y être effectués, de la nécessité de la réalisation de plans et de devis aux fins d'aller en appel d'offres, le conseil a donc autorisé de retenir les services de la firme EXP pour les dits travaux au montant de 6 900 $L'octroi maintenant d'une commandite au montant de 200 $ a aussi fait l'objet d'une résolution pour la tenue du concert bénéfice Concert sous les étoiles qui se tiendra le 29 juillet prochain suite à une demande déposée par le groupe d'entraide En toute amitié. Cette activité se tiendra à l'Église de la parole vivante et est en respect avec la politique de dons et commandites aux organismes à but non lucratif, ainsi que celle en regard de la politique de prêt d'équipement et de plateaux aux organismes aussi à but non lucratif, qui est en vigueur à la ville de Berthierville. Une modification à une résolution adoptée en juin dernier, relativement à la tenue de l'événement Centre-ville en fête les 4 et 5 août prochains au centre-ville, a aussi été adoptée par le Conseil. Cette modification fait suite à la rencontre du 7 juin dernier avec M. Martin Carpentier, promoteur de les productions festives MC, responsable de l'événement en cause, et précise les éléments suivants au niveau de la fermeture des rues. Soit qu'à partir de 15 heures, la rue Place du Marché sera fermée à la circulation automobile et la rue de Vaudreuil deviendra à double sens entre les rues Jacques-Cartier et d'Iberville. Que le plus tôt possible après les spectacles, la rue de la Place du Marché sera réouverte à la circulation automobile et la rue de Vaudreuil redeviendra un sens unique entre les rues Jacques-Cartier et d'Iberville. Que toute l'installation de la signalisation nécessaire
soit effectué par l'équipe du promoteur et qu'une équipe de deux personnes soit responsable de la circulation sur la rue de Vaudreuil entre les rues Jacques-Cartier et d'Iberville, assurant ainsi la sécurité autant des automobilistes que des gens qui viendront au spectacle. Dans le même ordre d'idées, considérant que l'organisme Les Productions Festives MC Incorporées a déposé une demande de financement à la MRC de Dautré dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales pour la tenue de cet événement, le Conseil a résolu de recommander positivement et d'appuyer cette demande de subvention en ce sens auprès de la MRC. Le directeur général et greffier a procédé par la suite au dépôt du certificat de conformité pour le règlement numéro 748-187 de modification au règlement de zonage 748 relativement à l'agrandissement de la zone 4C66 à même la zone C4C48 émis par la MRC de Dautré et qui concerne plus spécifiquement l'agrandissement de la zone concernée par la propriété voisine du garage Tessier, rue de Montcalm. J'ai aussi fait état du dépôt des rapports de service de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de mai, de celui du service de l'urbanisme pour le mois de juin, ainsi que de mon rapport d'activité pour la période du 1er au 30 juin dernier. Aucun avis de motion n'était inscrit à l'agenda de la séance du 4 juillet. Deux règlements ont par la suite été adoptés, soit le règlement de modification, règlement numéro 917-12 et ses amendements relatifs au stationnement et à la circulation, qui touche en fait la vitesse à l'entrée de chaque côté du pont de la rivière Bayonne, qui sera réduite à 30 km au lieu de 40, considérant la configuration du pont couvert qui sera construit, ainsi que le projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 concernant les usages énormes de la zone 3C14 qui vise, lui, le secteur contigu à la bâtisse de P6 Port sur la rue Notre-Dame. Je termine maintenant ici en vous donnant deux points d'information, à savoir tout d'abord que la Ville de Berthierville a mis à la disposition des citoyens et des professionnels un nouveau service en ligne permettant d'obtenir les informations contenues au rôle d'évaluation foncière que vous pouvez consulter sur le site web de la Ville. Je tiens aussi à informer les citoyens de l'arrivée depuis les derniers jours de deux cadettes de la Sûreté du Québec que la Ville de Berthierville partage à mi-temps avec la Ville de Saint-Gabriel. Leur présence a pour but de faire de la surveillance et de la prévention dans la Ville et les deux cadettes circuleront à pied ou à vélo pour toute la période d'été. Alors voilà qui complète les informations que je tenais à partager avec vous. Je vous invite à la prochaine séance publique qui aura lieu le 7 août prochain à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. Et d'ici là, je vous souhaite un bon mois de juillet avec de la belle température. Et je vous dis au plaisir et au revoir.